Je suis contente qu'on a parlé de Peter Sloterdijk, philosophe très important pour le monde du design. Peut-être on a trouvé d'ailleurs notre prochain projet d'organiser une rencontre avec Peter Sloterdijk et Timothy Morton. Ça sera, je pense, super si on pourrait organiser ça avec la Cité du design et l'école urbaine de Lyon. Je passe au prochain mot-clé, deux mots-clés qui sont liés, déterritorialisation et subsistance. Là, on va peut-être aller un peu plus vite, quoique, mais tout simplement, c'est aussi le rapport à nos ressources. Bon. La question de la ressource. Alors, on a dit beaucoup de choses. Déterritorialisation, je laisserai Michel là-dessus, mais sur la question de la subsistance, du milieu, etc. Moi, j'ai longtemps travaillé en tant que chercheur muséum sur ce qu'on appelle tout simplement les services écosystémiques, c'est-à-dire les services que la nature rend à l'homme. Et voilà, simplement rappeler cette petite vérité qui est qu'il n'y a pas de contrat social sans nature, et que le contrat social repose d'abord sur un pilier absolument déterminant qui s'appelle la nature et les ressources naturelles, et bien évidemment la manière dont nous allons protéger un accès équitable à ces ressources naturelles, à ces subsistances au sens très vaste du terme, parce que quand vous regardez les services écosystémiques, vous avez des choses qui renvoient au cycle de la régulation, donc du méta, si j'ose dire, hein, tout ce qui, les grands cycles qui nous permettent les cycles support et de régulation, et puis vous avez des choses qui sont plus immatérielles, ce qu'on appelle aussi les services récréatifs, contemplatifs, c'est-à-dire cette subsistance au sens où l'homme a un rapport d'abord avec la nature qui est un rapport culturel à la nature, au sens où il en a simplement besoin pour son émerveillement et le renforcement et la densification de sa conscience, de sa conscientisation des choses, etc., etc. Donc voilà. Donc et déterritorialisation, je vais laisser Michel là-dessus, le géographe. Bon, là, je suis pas sûr que tu vas me laisser dans une position très confortable, parce que je ne comprends pas le mot de déterritorialisation, mais je vais quand même essayer de traiter le mot subsistance, et peut-être que j'arriverai à comprendre ce que l'on veut dire par déterritorialisation. Oui, enfin, le mot là, avec beaucoup de syllabes. Pour un ancien dyslexique, c'est terrible. Hein, En fait, moi, j'ai proposé hors sol. Oui, ah, voilà, c'est ça. Et en fait, c'était les postdoctorants de EUL qui m'ont dit, nous, on parle de déterritorialisation. Oui, alors moi, je ne serais pas forcément d'accord avec ça, mais l'École urbaine de Lyon est une instance parfaitement démocratique, donc on a même le devoir d'être en désaccord. Non, c'est parce que j'ai du mal à concevoir une existence humaine déterritorialisée, parce que je pense que l'animal humain est territorial. Bon. Alors, il peut y avoir du hors-sol, mais ça, c'est autre chose. Moi, j'aime bien le mot subsistance, j'aime bien les mots parfois un peu désuets. J'aime bien le mot subsistance parce que ça renvoie finalement à quelque chose d'assez fort, philosophiquement, éthiquement, anthropologiquement. C'est qu'est-ce qui nous permet de subsister, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous soutient. Voilà, je ne peux pas m'empêcher de partir des subsistances pour arriver au soutènement. Voilà. Qu'est-ce qui soutient la vie? La vie ne s'auto-soutient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Elle ne s'auto-soutient pas toute seule. D'ailleurs, le camarade Robinson, il s'en est aperçu très vite. Hein. Ou cette variante contemporaine de la Robinsonade, assez bien foutue d'ailleurs scientifiquement, qui s'appelait Alone on Mars, c'est-à-dire le film de
Ridley Scott, je crois, où cet astronaute était abandonné par erreur par ses collègues sur Mars. Parler d'une tuile avec pratiquement rien, si ce n'est son propre caca, pour envisager de survivre quelques décennies. Youpi, hein ? Et ce film montre bien comment, petit à petit, on arrive à trouver des subsistances. La vie ne se soutient pas toute seule. Elle n'est pas autosoutenable. Pas plus, d'ailleurs, qu'elle n'est autoréférentielle et autotélique, comme dirait l'autre. Elle est nécessairement dans une relation avec des soutiens. On appelle ça l'environnement. Le milieu. Qu'est-ce que c'est que le milieu pour une espèce ? C'est ce qui permet à cette espèce d'être soutenue. Et là où ça devient subtil, c'est que ce soutien n'est pas quelque chose qui viendrait du dessous et qui irait vers le haut de façon linéaire. Ce soutien est une relation. Et dès que la relation de soutien s'enclenche, eh bien, ça change la nature même du soutien et de la subsistance. C'est un peu comme dans la cure, hein, ou un peu comme dans le care. Ça n'est jamais quelque chose qui est linéaire et monocausal. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui change. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'Anthropocène nous permet de reposer la question, qu'est-ce qui soutient la vie humaine ? Prenez vos stylos et une feuille et notez ce que vous avez dans la tête et vous verrez que c'est compliqué, cette question. C'est pas une question simple du tout. Qu'est-ce qui le soutient ? Ben, on va s'apercevoir que ce qui soutient, c'est des ressources. Que dans ces ressources, il y a des choses très variables et très variées. Dans ces ressources, il y a du vivant, de l'inerte, du naturel, de l'artificiel, du matériel, de l'immatériel, parce que nous sommes du relationnel, parce que nous sommes soutenus par nos relations. Par exemple, nos relations de filiation, par exemple, nos relations amicales, par exemple, nos relations amoureuses. Donc cette question du soutien de la vie, là, je pense qu'une psychanalyste pourrait en dire beaucoup plus que moi là-dessus, cette notion du soutien, elle est très importante. Et l'Anthropocène nous oblige à reparler de ça, parce que ce que tu disais très bien, Cynthia, tout à l'heure, à savoir que nous découvrons que nous sommes en train de dépasser tout ce qui permet, en matière d'exploitation de notre soutien, de garantir l'habitabilité pour tous, c'est fondamentalement une question sur la subsistance. Le mythe d'une partie de la modernité, parce que moi j'aime pas trop le mot modernité, je l'utilise souvent en faute de mieux, mais j'aime pas trop parce que je crois que nous n'avons jamais été modernes, et je pense qu'en utilisant modernité, nous nous sommes aussi rendus aveugles à d'autres traditions que les traditions dominantes de la pensée et de la philosophie. Mais le mythe du... Allez, reprenons, citons un autre philosophe d'une lecture extrêmement facile, Jürgen Habermas, c'est-à-dire donc dans sa mise en tension fameuse entre le monde vécu et le système, donc le mythe de ce que Habermas appelle le système. C'est de nous laisser croire que la vie humaine pourrait être sans soutien, sans ressources. C'est de nous laisser croire que nous pourrions vivre hors sol, voilà, j'y arrive, que nous pourrions vivre hors du soutien terrestre, des éléments terrestres, élémentaires par définition, puisque ce sont des éléments du vivant, des éléments minéraux, des éléments dont nous avons besoin en réalité en permanence, que nous puisons avec une inconscience totale sur ce que ça veut dire que puiser sa subsistance, et qui nous a poussés, parce que nous avons cru que nous pouvons vivre hors de ces contingences du soutien. Parce que hors sol, ça n'est pas simplement penser que nous pouvons vivre sans ressources. Ça, je crois que tout le monde comprend qu'on vit avec des ressources. Même si on peut avoir la prétention de créer par nous-mêmes des ressources inépuisables. Alors, par exemple, le plastique, c'est une ressource que certains ont pu présenter comme quasiment inépuisable, puisqu'elle crée des produits qui n'existaient pas. Le mythe du hors-sol, c'est surtout le mythe que nous ne serions pas comptables des ressources, que nous aurions un droit de tirage permanent. Et nous découvrons que nous avons été même capables d'épuiser des ressources renouvelables. Ce qui est quand même très fort, hein ? Parce que épuiser du non-renouvelable, soit, je ne dis pas que c'est formidable, mais soit, ça peut se... Mais épuiser du renouvelable,
épuiser des réserves halieutiques. Vous vous rendez compte ? Arriver que la morue soit considérée quasiment comme une espèce menacée. La morue. Le poisson le plus courant, alors on l'a baptisé cabillaud aujourd'hui et ça vaut 30 balles sur le marché, mais autrement c'est le poisson le plus courant qui soit. Un très beau livre a été écrit sur la morue qui a un joli titre qui s'appelle « In God We Trust ». Vous voyez le jeu de mots, hein. Donc épuiser le renouvelable. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, épuiser le renouvelable, c'est la conséquence de l'utopie de la vie déliée du problème de la subsistance, de la vie séparée du problème de la subsistance. C'est aussi une certaine manière de concevoir l'artificialisation, comme si cette artificialisation allait toujours dans le sens du fait que la question de la ressource et de la subsistance devient une question marginale, devient une question pas très importante. L'Anthropocène nous fait redécouvrir le caractère fondamental du soutien. Oui, je suis d'accord, bien évidemment. Je voulais juste dire un point pour pas... pour renvoyer à ce qu'est le contrat social et plus, de façon un peu plus générique, l'état de droit ou la tentative de vivre et de créer un état de justice sociale. Bon. Il est évident, si vous voulez, que, et c'est ça le paradoxe, il est évident que dans son moment inaugural, originel, la démocratie au sens de création d'un état de droit, création d'un juste pour tous. Donc je suis très générique, hein, je ne cherche pas, non, je suis bien au-delà du régime, etc. Mais dans cette idée que tout d'un coup, voilà, on crée un système, presque un système immunitaire pour tous. Bon. Dans cette idée-là, au départ, il y a du hors-sol, si j'ose dire. Il y a du hors-sol et même du hors-fait. Et c'est très important. Vous allez dans un endroit, il n'y a entre guillemets rien, et vous posez que les hommes sont égaux. Donc c'est très important, encore une fois, il ne s'agit pas de dire que nous devons attendre la subsistance pour tout d'un coup créer un état de droit, jamais de la vie, c'est pas ça. Hein. Donc, et c'est ça, c'est-à-dire que le premier temps, ça c'est ce premier temps de symbolisation totale, et la symbolisation totale, ça peut être un dessaisissement, si vous voulez, de ce qui est là. Mais pas de ce qui va être, et de ce qui doit être, et de finalement ce qu'on va trouver, etc., etc. Et donc, dans un second temps, c'est pour ça que je dis souvent, ce qui est compliqué aujourd'hui quand on détruit l'état social, et qu'on ne se rend pas compte qu'on détruit l'état de droit, c'est parce que, historiquement, l'état social, il arrive après. Mais en fait, la vérité, et la vérité de l'état de droit, c'est l'état social. Sauf que comme il est arrivé après, on pense que c'est un autre moment. Et tout. Mais pas du tout. En fait, c'est un moment qui est inséparable, si j'ose dire, de la nature même de l'état de droit. Sauf qu'il arrive après, c'est vrai, d'une certaine façon. Bon. Donc, ça, c'était un premier point. Hein? Donc, on est bien d'accord que, voilà, cette tentative de justice sociale, etc., il peut y avoir ce sentiment de hors-fait, hors-sol, etc. Mais ensuite, tout l'enjeu va être de produire ce que les philosophes ont appelé un souci, une attention, souci, soutien, etc. C'est une même connivence parce qu'on voit très bien que pour aller le lien, si vous voulez, le plus opérationnel par rapport à une subsistance qui soutient, c'est précisément d'en avoir souci et de porter attention à, et de voir qu'est-ce qu'on peut complexifier, voilà, pour que ça soit le plus opérationnel possible. Et c'est simplement ça, entre guillemets, la réflexion qu'on propose aujourd'hui.